Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'On n'est pas des moutons. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire en images. Découverte de Cluedding Brest, le fameux jeu Cluedo transposé à Brest, auquel tout le monde peut jouer sur internet. Rencontre ensuite avec les Sharks, l'équipe de Brest de roller hockey. Interview ensuite de Rodrigue qui a monté le tout nouveau studio d'enregistrement Are You Sure à Brest. Tout le monde connaît le jeu Cluedo. Claire, Colline et Aurélie se sont inspirés du jeu pour créer une enquête originale à l'échelle de Brest. Évidemment, celle-ci commence par un meurtre. À vous ensuite de découvrir l'assassin, l'arme et le lieu du crime à l'aide d'indices diffusés régulièrement sur Internet. Séverine Floch est donc allée rencontrer les trois créatrices du jeu pour en savoir plus sur son fonctionnement. Bonjour, je suis avec Claire et Colline qui ont créé le jeu Cluedding Brest. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet, s'il vous plaît? Oui, le projet Cluedding Brest, à la base, c'est trois personnes, donc Aurélie qui n'est pas là. Et c'est un jeu qui est basé sur le principe du Cluedo et qui se joue sur Internet. Et donc, quelles sont les règles du jeu? Alors, les règles du jeu, c'est vraiment, alors pour rappeler un peu en gros le principe du Cluedo, vu que c'est essentiellement donc sur Internet, l'idée c'est on a lancé des lieux suspects, il y a eu un meurtre, Goulven Le Dantec est mort à Brest, et du coup on a recensé des lieux suspects, là où Goulven est passé les semaines précédant sa mort, des potentielles armes du crime et bien sûr des suspects qui ont tous un lien avec la victime. Et tout sous forme de cartes, comme dans le jeu en fait. Voilà. Et du coup, en appartement, on a présenté toutes ces cartes, donc à la fois sur notre page Facebook et sur un site qui est ouvert à tous, pour ceux qui n'ont pas de compte Facebook. Du coup, on a lancé quelques indices. Il y a des indices publics, ouverts à tous. Et des questions aussi qui peuvent permettre de faire gagner d'autres indices. Et à partir des indices, les gens vont essayer de trouver qui a tué Goulven, où et avec quelle arme. Comment vous est venue l'idée de ce jeu? Alors c'est parti de Colline qui travaille aux archives avec Aurélie, qui a trouvé des anciennes photos de prisonniers australiens qui s'appellent les mugshots. À partir de là, en fait, on a eu une imagination un peu débordante et du coup on a créé le Cluedo. On partage toutes les trois le même goût pour l'histoire, la photo, surtout Claire et Aurélie et la ville de Brest. Mais c'est vraiment se retrouver autour d'une idée un peu sympa, qui nous plaisait de jouer en ligne, de récupérer un travail photographique, de faire découvrir Brest et puis de se faire retrouver. Bouger les gens aussi, qui découvrent un peu plus Brest, parce que tous les coins ne sont pas connus. Par exemple, la salle de danse qui est près de l'église Saint-Louis, les gens ne la connaissent pas forcément, du coup on voulait leur montrer autre chose aussi. Et du coup, en créant l'énigme, c'est vraiment, on a imaginé une histoire, voilà, qui pourrait être la personne. On a volontairement pris des noms bretons, parce que ça se passe à Brest. Et du coup, à partir des personnages, on a ficelé une intrigue. Et puis après, on a imaginé comment on pourrait créer des indices, comment donner envie aux gens de jouer. Et puis, on a fait appel aux copains, pour être modèle, bien sûr. D'accord, merci. Merci. Le jeu s'inscrivant dans le cadre du festival Puits d'Images, il est possible d'aller voir les photos exposées au patronage laïque de Sancerre. Attention, le 23 février sera la dernière date pour participer au jeu. Nous allons maintenant parler sport avec les Sharks. Il s'agit du club de roller hockey de Brest. Nicolas Bihan est allé interviewer les joueurs pour en savoir plus sur leur discipline, mais également pour qu'ils nous parlent de leur club. Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui à la rencontre d'une équipe de roller hockey, les PLL Sharks. Nous allons vous présenter le club. Bonjour à vous deux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi c'est Pierre Thibault Guerrier, j'ai 22 ans et je suis au club depuis 4 saisons. Moi c'est Maxime Le Calvé, j'ai 24 ans et je suis entraîneur depuis 7 saisons et ça fait 7 ans que je suis au club. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu les principes du roller hockey?
Alors le roller hockey, dans plein de choses, ça ressemble au hockey sur glace. Par contre, il n'y a pas les contacts. Le contact, s'il est toléré, il n'est pas autorisé. Donc plus à l'appréciation de l'arbitre. Et c'est plus rapide, plus technique. C'est plus basé sur la technique que sur le physique. Est-ce qu'on peut faire une différence avec le hockey sur glace ou c'est vraiment un sport cousin ? Alors, la grosse différence, effectivement, c'est les contacts. Après, nous, on est 4 sur le terrain, eux, ils sont 5. Le palais est plus léger, notre but est un petit peu plus petit. Donc, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur au roller hockey de marquer sur un shoot de loin. On est obligé de beaucoup plus faire la différence à 2 que seul. Voilà, la grosse différence. Et quelle qualité il faut pour pouvoir jouer, pour pouvoir pratiquer ce sport ? En gros, la différence entre le hockey et tous les sports, c'est que entre l'objet à manipuler et nous, il y a un objet, il y a une crosse. Du coup, il faut savoir gérer la crosse, il faut savoir la manipuler, il faut savoir dribbler, il faut savoir... Et puis après, il y a toutes les bases du patinage, freinage, marche arrière, marche avant. Voilà, c'est un tout qui fait que... voilà, c'est vraiment un sport complet qui fait tout travailler, quoi. Et cette année, le championnat, comment ça se passe pour l'équipe ? Un très mauvais début de saison. On a perdu nos 3 premiers matchs. Maintenant, on est sur une série de 4 victoires. On a battu le vainqueur chez lui, à Flamanville. Donc là, on est 3e du classement. Les 4 premiers sont qualifiés pour les play-offs. Donc nous, l'objectif, c'est d'être dans les 4 premiers. Alors, on est maintenant avec Nicolas. Est-ce que tu peux te présenter d'abord ? Ok, donc je m'appelle Nicolas Marc, je joue au PLL Lambé au roller depuis 3 ans. Donc, avant j'ai fait un peu de glace pendant un petit moment, donc je joue aux Albatros pendant un petit moment. Et je joue en tant que défenseur dans l'équipe du PLL Roller. Donc là vous êtes en National 3, oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le niveau du roller hockey en France, si c'est connu ou pas, ou si ça se développe ? Le roller hockey en France c'est un sport qui est jeune. Ça date des années 90, donc vers 95, on a eu les premiers clubs de roller en France. Et donc du coup, c'est un sport qui est en train de se développer, mais assez lentement. Donc c'est vrai que les gens connaissent plus facilement le rink hockey ou le hockey sur glace. Le roller hockey, ça c'est encore assez confidentiel. Mais c'est aussi ce qui est bien, parce qu'on peut se faire plaisir. Des équipes de hockey, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors de roller hockey, il y en a quelques-unes qui permettent à tout le monde de s'exprimer en fait. Et est-ce qu'il y a une équipe de France ? Est-ce que c'est un sport olympique, par exemple ? Alors, c'est pas un sport olympique, mais il y a une équipe de France, dont les jeunes, d'ailleurs, l'équipe des... Alors, je sais plus, c'est junior. Alors, je connaissais les anciennes dénominations. Je ne vais pas savoir quel âge c'est. Ça va être les moins de 20 ou les moins de 19, je sais plus. Ils sont champions du monde, donc l'équipe française. Puis, il y a une équipe de France de roller hockey où on prend déjà beaucoup de bons joueurs qu'il y a dans notre championnat au niveau de l'élite. Ok, bah très bien. Merci pour cette présentation. Et puis, on te souhaite une bonne fin de saison avec ton club. Merci. Au revoir à vous. Salut. Merci. À seulement 21 ans, Rodrigue Padel vient de créer un tout nouveau studio d'enregistrement baptisé Are You Sure. Son objectif est de proposer aux musiciens les meilleures conditions d'enregistrement, mais également d'apporter un élan supplémentaire à la vie musicale brestoise. C'est un reportage de Roman Roncet. Et nous sommes maintenant en présence de Rodrigue, qui est le responsable du studio Are You Sure. Alors, bonjour Rodrigue. Bonjour. Veux-tu nous présenter ce studio ? C'est un nouveau studio. Depuis quand existe-t-il ? Alors, le studio Are You Sure existe depuis 3 mois. Il existe officiellement dans les termes juridiques depuis 1 mois et demi. C'était un projet que j'avais depuis longtemps. Et du coup, moi, je l'avais mis en œuvre avec mes groupes précédents. Mais officiellement, en tant que studio, en tant que tel, ça fait 1 mois et demi qu'on est ouvert. Alors, il existe beaucoup de studios d'enregistrement sur Brest. Qu'est-ce qui, selon toi, pourrait te départager des autres ? Premièrement, moi, je suis musicien. Avant d'être technicien de son, je suis musicien. Donc moi, j'ai monté le projet du studio par rapport à mes expériences personnelles. C'est-à-dire que je suis tombé beaucoup sur des studios trop chers, des studios où on n'avait pas le temps qu'on voulait, où c'était facturé au temps et pas à la prestation. Donc ici, au studio, on facture à la prestation. C'est-à-dire que si un artiste veut un single, on ne lui dit pas qu'on prend 3 jours. On lui facture X euros pour un single. Et après, moi, j'ai aussi, en plus d'avoir ma qualité d'oreille de production, j'ai l'oreille aussi du musicien et je sais aussi ce qui peut déranger ou pas, ce qui fait qu'après, je peux aiguiller les groupes sur une harmonisation plutôt qu'une autre.
Alors, est-ce qu'il y a un style particulier que tu produis ou tu es ouvert à tout style? Alors, moi, je suis ouvert à tout. Maintenant, mon style de prédilection, ça reste le rock, hard rock et plus si affinité. Mais j'ai enregistré un duo folk, je vais enregistrer un quatuor vocal classique. Donc, je suis vraiment ouvert à tout. J'ai enregistré Gilles David Jay sur un orgue. Et est-ce que tu as une formation particulière? Alors, moi, au début, j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment appris avec les événements. Ensuite, j'ai un ingénieur du son du Finistère assez réputé qui m'a filé beaucoup de cours dans une période où j'étais au chômage, donc du coup, j'ai bénéficié de ça. Et j'ai eu une validation des acquis qui a été validée aujourd'hui en tant que technicien de son. Quels sont tes projets à venir? Alors, les gros projets, ça va être de développer le live, les prestations live en son et lumière. Du coup, pour ça, je vais m'associer avec Thomas pour qu'il mette sur le son et lumière sur les lives. Va y avoir deux très gros groupes qu'on va enregistrer au mois de mai. Je peux pas dire le nom pour le moment, mais quand ça sortira, ça va être vraiment cool. Ça va faire une grosse pub pour le studio, notamment un tribute officiel d'un grand groupe de rock. Et on va produire des artistes assez connus sur Brest et ailleurs, dans des grosses salles type le Vauban, peut-être l'Astrolabe. Donc tu parles d'enregistrement live, donc j'imagine en fait que tu veux vraiment avoir toutes les étiquettes d'un bon technicien, car là on se retrouve dans ton studio qui est plutôt cosy, et donc tu veux aussi travailler une partie vraiment concert. En fait, on veut pouvoir, nous on aime que l'artiste arrive avec rien du tout et qu'il reparte avec tout. C'est-à-dire qu'on veut lui faire l'enregistrement, le mixage, le mastering est fait par un partenaire, mais on fera aussi avec l'infographiste tout ce qui est les jaquettes. Le pressage, on a des partenaires aussi, mais on veut aussi pouvoir accompagner l'artiste, lui donner des lieux de prestation, lui apporter des conseils pour les prestations, s'il faut donner des conseils en harmonisation, etc., et pouvoir assurer le son et lumière. Le but dans les 5 ans, c'est de pouvoir devenir une vraie boîte d'événementiel en gérant nos artistes sur scène et pouvoir faire des soirées du studio Rayouchour, mais sur des belles scènes avec des beaux artistes. Merci beaucoup, Rodrigue. Et merci à vous. On te souhaite bonne chance pour ce beau projet. Merci. Et c'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran, contact@tgb-tv.fr, mais également sur nos réseaux sociaux. Quant à moi, c'est bien sûr avec grand plaisir que je vous retrouverai le mois prochain. Salut à tous.